Bon Dieu béni vous. Amen. Je vous remercie en pile parce qu'il y a une inspiration, il y a un oxygène. Oh yes. Les points nous pas pendu en côté, il y a un coup de main à l'hôpital. Amen. Il y a un coucher que tu as aimé là, pas qu'à la matin. Amen. Amen. Seigneur, fais nous la matin. Yes. Et c'est annoncé, nous allons aller pour vous dans Psaume 64. Comme tant que nous va prier. Nous avons deux versions françaises et anglaises, nous allons prier pour vous. Et moi, je dois suivre attentivement. Amen. Psaume 64. Amen. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Mm-hmm. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Mm-hmm. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre les pièges. Ils disent qu'il les verra. Ils méditent des cris. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime du cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre ses traits. Soudain, les voilà frappés. Le langage a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait. Ils prennent garde à son œuvre. Les justes se réjouissent en l'Éternel et cherchent en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Reprenons le dernier verset. Les justes se réjouissent en l'Éternel et cherchent en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Restons debout pour la version. Amen. Amen.